Les frères et les sœurs, s'il vous plaît, je vous appelle à changer vos habitudes. Je vous appelle à vous diriger vers la piété. Je sais qu'on vit une époque qui est vraiment bizarre, étrange. Une époque où le satanisme domine. Je sais que c'est pas évident. Je sais que tout est mis en place pour nous encercler, nous étouffer, nous ensorceler. On sait même plus quoi croire. Les aliments, ce qu'on mange, les vêtements qu'on porte, on peut avoir confiance nulle part. Mais il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort parce que nos âmes à nous musulmans d'aujourd'hui, elles sont vraiment, 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 vraiment polluées. Et c'est normal. Regardez l'époque de dingue dans laquelle on vit. Regardez cette époque où on fait du mal à des enfants à travers le monde et personne ne réagit vraiment. Regardez cette époque de fou où les gens regardent des gens se faire exterminer. Regardez ce monde où les pédophiles sont presque récompensés. La malbouffe, toute cette nourriture que l'on adore presque, qui est comme de la sorcellerie dont on ne peut pas se passer. Allez savoir ce qu'ils mettent dans cette nourriture. Il faut vraiment qu'on fasse des efforts. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Parce que ces imams-là, on connaît, ils sont eux-mêmes baignés dans la dunya, mais ils ne le savent pas. Et plus il y a de musulmans, plus les musulmans se font écraser à travers le monde et humilier. Alors c'est quoi le problème? C'est pas une question de nombre. Même si ces imams, ils ramènent 1 milliard de gens, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Aujourd'hui, ils sont eux-mêmes perdus. Ils sont perdus dans le tourbillon de la dunya. La preuve, c'est qu'ils peuvent plus passer de l'Occident. Même s'ils vous sortent 1 milliard d'excuses, leur cœur est accroché à la dunya. Et la preuve est qu'ils vivent en Occident. Et ils sont pris dedans. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que les musulmans se réveillent. Revenir vers le tawhid. Qui étudie le tawhid aujourd'hui? L'éducation de l'âme. Toutes ces choses que nos pieux prédécesseurs appliquaient. Mes frères et sœurs, il faut vraiment qu'on devienne pieux. Il faut vraiment qu'on fasse l'effort de nous-mêmes par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il faut vraiment qu'on bouge pour essayer de changer ce monde, qu'on soit la cause d'un bien dans ce monde. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, avec l'amour de cette dunya. On fait semblant qu'on n'a pas l'amour de la dunya, mais en vérité, on est tous plongés dedans, d'une manière ou d'une autre. Les griffes de la dunya qui nous ont pris, ils sont bien rentrés dans notre cœur. Ils ont pénétré comme les doigts d'une sorcière au plus profond de notre chair. Il faut qu'on arrive à enlever ces griffes, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Il y a des gens, avant d'aller au paradis, ils vont passer par l'enfer pour se purifier. Et la douleur, elle est inimaginable. Alors même si ça fait mal, il faut qu'on essaye d'y arriver, de s'en sortir. Qu'Allah nous facilite, les frères et sœurs. Qu'Allah nous facilite, parce que c'est vraiment triste, l'époque dans laquelle on est plongé. Alhamdulillah. Ne m'oubliez pas dans vos invocations, qu'Allah vous préserve tous.